L'audience est ouverte, veuillez vous asseoir. Affaire ministère public et l'État guinéen, représenté par l'agent judiciaire de l'État, contre M. Mohamed Diané. Prévention, détournement de deniers publics, corruption d'agents publics, blanchiment de capitaux et enrichissement illicite. Monsieur le Président, Monsieur les membres de la Chambre de jugement, j'ai l'avantage de défendre les intérêts du docteur Mohamed Diané et je commencerai d'abord par présenter mes excuses au ministère public. Certes, le ministère public a eu la lettre par laquelle je vous ai informé de ma constitution, mais les usages voudraient aussi qu'il y ait une visite de courtoisie. Et malheureusement, lorsque j'étais venu, je n'avais pas trouvé l'honorable procureur spécial et je n'ai pu revenir à cause du travail. Cela étant dit, Monsieur le Président, Messieurs de la Chambre, j'ai l'avantage de soulever par devant votre cour des exceptions d'inconstitutionnalité et d'inconventionnalité des ordonnances numéro 007 et 08, respectivement, qui ont été prises le 2 décembre et le 6 décembre 2021. C'est fondé d'abord sur l'article 81 de la Charte de la Transition et aussi sur l'article 79 de cette même charte. Puis, à l'article 18.6 sur la Cour constitutionnelle, qui est prévu par la loi L210/06 CNT du 10 mars 2011 et à l'article 41 toujours de cette même loi. Les communications seront faites aussi bien au parquet spécial qu'à l'agent judiciaire de l'État. Et s'il y a eu un retard, c'est parce que les conditions difficiles de travail, des coupures d'électricité et autres, ne m'avaient pas permis d'avoir suffisamment de copies et je devais venir pour ne pas rater l'audience. Le greffe a reçu le dossier pour la chambre de jugement. Et très brièvement, il a été exposé que le prévenu Mohamed Diané. Maître, oui. Avant de continuer, nous vous rappelons ceci. Vous dites le greffe a reçu le dossier. Pour la chambre. Oui, justement. Mais je pense qu'on doit y mettre de la foi. Tout à l'heure, c'est quand nous étions au seuil de la salle d'audience que nous vous avons vu remettre un dossier au greffe, à notre greffier audiencier. On était debout là, ici. Et donc, quand nous recevons, nous n'avons même pas accusé réception. Nous n'avons même pas lu encore. Donc, il n'est pas permis encore de lire ce dossier. Il va falloir qu'on y mette de la foi, vous le savez. C'est la loi qui nous le recommande. Merci, Monsieur le Président. Voilà, c'est un préalable qui est important. Nous devons accuser réception et on vous rendra tout à l'heure après avoir accusé réception. Ce sont les discussions qui nous proposent. Monsieur le Président, oui. Je suis désolé de demander la parole. Si vous permettez. Oui, allez-y. Très désolé également d'interrompre le confrère dans son intervention.
intervention, mais je pense que cette intervention s'imposait dans notre État. Nous venons d'apprendre à travers le congrès que vous venez de la confirmer que des documents ont été produits en violation frontale des dispositions de l'article 417 du Code de procédure pénale qui impose dans le cadre d'un jugement devant la chambre de jugement de la juridiction de ce siège, la soumission au débat contradictoire de toute pièce, de tout moyen de droit que toute partie à cette procédure peut s'en prévaloir par devant vous. Si le confrère tient vraiment à faire valoir la question prioritaire de constitutionnalité par devant vous, il a le choix de faire une plaidoirie essentiellement orale et contre laquelle nous apporterons certainement la réplique oralement. Mais s'il a consigné ses moyens dans les écritures, la forme voudrait qu'il nous les communique d'abord avant de soumettre cela à votre appréciation. Et sur ce, je finis par dire, s'il est exact que ces moyens-là sont consignés, nous sommes déjà preneurs à les recevoir, et laissez le congrès développer les moyens dont il a choisi de développer, n'est-ce pas, par devant vous. Je vous remercie. Oui, monsieur le président. Est-ce que vous avez autre chose à dire? Parce que je vois que vous êtes. Monsieur le président, on l'aura conseillé. Effectivement, ce que je dirais à dire, par rapport au conseil du prévenu, qui a produit des pièces au débat. Parce qu'à l'entendre parler, j'ai bien constaté qu'il y a certaines pièces qui vous a déjà communiquées, alors que le parquet n'a aucune idée de ces pièces. Le parquet n'a aucune idée de pouvoir au moins répliquer si éventuellement il y a lieu de répliquer. Et Monsieur le Président, si effectivement ces pièces sont produites, qu'on les mette à nos dispositions. Et cela va nous permettre aussi de répondre. Et ce sont ces observations que j'avais à apporter par rapport aux pièces déjà produites à votre niveau. Sur ce, je vous remercie. Oui, Maître Pépé Antoine. Monsieur le Président, il n'y a aucune excuse ici. Il n'y a aucune excuse à dire que les difficultés liées à la photocopie parce qu'il n'y a pas de bois ont fait qu'on n'a pas pu avoir un nom suffisant. Il n'y a aucune excuse par rapport à ça. On peut s'affirmer qu'on n'a pas d'électricité suffisamment, mais ce n'est pas aussi comme il y a 10 ans, 15 ans d'arrière. Et ils ont obtenu le renvoi de cette affaire-là depuis plusieurs mois pratiquement. Ce n'est pas maintenant là qu'on va venir nous soumettre à une difficulté d'électricité ou quoi. Donc, si il n'a pas pris la précaution de communiquer ses pièces ou ses écritures au préalable aux autres parties, nous vous prions en l'état de lui et maintenant de bien vouloir le lui retourner. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'une pièce soit au dossier et qu'elle ne soit pas communiquée au préalable aux autres, il n'y a plus d'équilibre là. Je ne sais pas si le confrère a peur de soumettre cela à votre appréciation ou à notre contradiction avant de les produire le débat, mais le débat ne saurait quand même se dérouler de cette manière. Donc nous vous prions de bien vouloir retourner sa pièce
afin de lui permettre de nous communiquer et de façon contradictoire avant que les débats continuent, n'est-ce pas, sur cette question. Je vous remercie. Oui, maître Trudeau. Allez-y. Monsieur le Président. C'est pas épuisé de l'autre. Allez-y. Merci. Si ce n'est pas pour répéter. Hein. Merci, monsieur le Président. J'avoue, monsieur le Président, que c'est ahurissant que des pièces soient communiquées à la Cour et sans qu'elles ne soient communiquées aux autres parties au procès. Pourtant, monsieur le Président, le principe du contradictoire est un principe sacré. Et même entre nous, avocats, nous y voyons une preuve de loyauté, monsieur le Président. C'est pourquoi nous exigeons, nous sommes fermes là-dessus. Et comme l'a rappelé M. Pépé Antoine, nous vous prions de bien vouloir rétracter ces pièces pour que les débats continuent. Au moment opportun, il pourra soulever cette exception. Je vous remercie. Merci, cher maître. Oui, maître Trudeau, vous avez la parole. Monsieur le Président, je remercie les confrères pour les petites piques, une marque d'hospitalité sur laquelle je ne répondrai pas. Je dirais simplement que les pièces sont là et elles sont constituées uniquement des conclusions faites devant la Cour et les moyens développés devant la Cour suprême, conformément aux dispositions de la Charte de la transition. Il n'y a pas d'autre pièce. Maintenant, rassurez-vous, nous sommes pointilleux sur les exigences d'un procès équitable qui sont faites aussi bien pour le prévenu que pour la partie civile et aussi pour le ministère public. Les communications sont là. Si je n'ai pas traversé la Cour pour aller les remettre avant d'en faire état, c'est simplement par respect à la Cour qui a commencé l'audience. Elles sont là, et avec la permission de la Cour, je vais les leur remettre. Cela étant, demander à ce que la Cour rende les pièces, cela ne répond pas aux exigences des articles que j'ai cités. Parce que les articles sur la Cour constitutionnelle précisent bien que l'exception, la Cour constitutionnelle, elle est saisie. La juridiction devant laquelle une exception d'inconstitutionnalité est soulevée. Soulever l'exception peut-être par voie orale, mais la Cour devant apprécier le sérieux et la pertinence des moyens doit pouvoir avoir un écrit sur lequel il pourra effectivement se fonder la décision d'envoyer promptement, comme le dit la loi guinéenne, à la Cour suprême qui aujourd'hui a les attributions du Conseil constitutionnel. Donc, Monsieur le Président, quand on dit soulever, s'ils vous disent rendez, la Cour ne le fera pas, ne serait-ce que par élégance. Mais je souleverai par voie orale et je vous les déposerai et ce serait du pareil au même. Par voie de conséquence, Monsieur le Président, c'est ce que j'avais à répondre. Et si vous le permettez, je vais effectivement. Du silence dans la salle de l'autre côté, il n'a pas participé. Je vais remettre tout ce qui a été remis au greffe. Vous attendez à ce voilà. Qu'on apporte des précisions. Parfait, Monsieur le Président. Vous avez, cher maître, évoqué la nécessité d'équité. C'est vrai, c'est dans le préambule de notre code de procédure. Nous avons, par souci d'équité,
d'un procès équitable, équilibré. C'est nous qui vous avons interrompu. Parce que vous étiez sur le point de lire même les éléments qui fondent ce que vous pensiez être votre saisie, alors que nous ne l'étions pas encore. Vous aviez déjà commencé la lecture, sans avoir communiqué aux autres. Or, la cour que nous sommes, avons le souci d'imprimer les règles élémentaires d'équilibre, donc de contradiction à toute notre démarche, et de manière transparente. C'est pourquoi nous avons rappelé ce qui a été tout à l'heure le cas quand nous entrions dans cette salle. C'est au seuil que nous vous avons vu remettre ces pièces-là à notre greffier. Et ici même à l'escalier, je lui ai dit, je reçois, parce que j'ai le souci quand même de faire application des dispositions de l'article 529 dont je ferai lecture tout à l'heure. Donc vous n'allez pas encore remettre. La démarche vous plaît ceci, et je fais lecture. Il y a une règle processuelle en la matière en ligne. L'article 529 du Code de procédure pénale. Le prévenu, les autres parties et leurs conseils peuvent déposer des conclusions. Ces conclusions sont visées par le président et le greffier. Ce dernier mentionne ce dépôt en séance d'audience. Le tribunal, qui est tenu de répondre aux conclusions ainsi régulièrement déposées, doit joindre au fond les incidents et exceptions dont il est saisi et y statuer par un seul et même jugement en se prononçant en premier lieu sur l'exception et ensuite sur le fond. Il ne peut en être autrement qu'au cas de l'impossibilité absolue ou encore lorsqu'une décision immédiate sur l'incident ou sur l'exception est commandée par une disposition qui touche à l'ordre public. Ce qui n'est pas encore le cas. Bon, de toute façon, nous avons reçu. Nous n'allons pas les tourner, contrairement à ce que les autres disent. Nous avons visé, tel que nous le commandent, les textes que nous venons de faire lecture. Et nous disons à notre greffier d'en tenir note. Et à charge pour vous d'équilibrer la marche. Et tel sera la marche maintenant. Merci bien. Monsieur le Président, je vous remercie. Et je procède de séance. Attention. Monsieur le Président, messieurs les membres de la Chambre de jugement, je vous ai saisi, je vous saisis et je soulève devant votre juridiction, conformément à la législation en vigueur, l'exception d'inconstitutionnalité et de conventionnalité des ordonnances numéro 8 pour abréger du 6 décembre 2021 portant amendement de l'ordonnance numéro 07 du 2 décembre 2021 relative à la CRIEF. Les moyens sont amplement développés devant la Cour suprême qui, conformément aux dispositions de l'article 79 de la Charte de la Transition, a désormais toutes les attributions de la Cour constitutionnelle. Et pour ce qui est de la Chambre de jugement, la technique juridique utilisée était de voir dans quelle mesure une constitution votée par référendum peut être remplacée par une charte qui n'a pas été votée ni adopté au suffrage universel. Mais nous avons pu voir que dans la charte,
Le Conseil national a quand même pris la précaution de dire ceci en son article 81, sauf abrogation expresse, les dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur, non contraires à la présente charte, demeurent entièrement applicables. Dès lors, les dispositions législatives en vigueur au 5 septembre 2021, il y avait, pour ce qui est des dispositions législatives, la Constitution qui était applicable, une loi fondamentale. Il fallait donc voir est-ce que les moyens qui seront soulevés seront contraires à partir de ce moment déterminé à la charte. À partir de ce moment déterminé, il n'était pas question de les soulever. Mais lorsque la charte est en conformité avec la Constitution, alors les dispositions pouvaient être non seulement prises comme non conformes à la Constitution, donc à la charte. Parce que la charte dit qu'elle reste en vigueur. C'est ainsi que nous avons pu relever que l'article 1 de l'ordonnance numéro 0/221/008/PRG/CNRD/SGG du 6 décembre 2021 portant amendement de l'ordonnance qui précède 07 relative à la Cour de répression des infractions économiques et financières était non seulement contraire à l'article 121 alinéa 1 de la Constitution ainsi qu'aux articles 79 et 81 de la Charte de la Transition. Voilà, n'était pas conforme. Et j'épargnerai aussi bien les avocats, le ministère public et la Cour, la lecture de l'article 1er de l'ordonnance querellée. Par ailleurs, nous avons relevé que l'article 2 de la même ordonnance amendée était contraire à l'article, cette fois-ci, 121 de la Constitution, et toujours aux articles 79 et 81 de la Charte de la Transition, mais encore, cela n'était pas conforme aux principes généraux du droit, tels que la non-rétroactivité de la loi et la légalité de la loi. La légalité de la loi, c'est une simple compréhension que toute personne devrait avoir d'une loi, et lorsqu'une loi est rédigée de façon confuse, alors on considère que cela viole le principe de légalité. Et maintenant, tous ces principes généraux du droit sont en fait repris dans les conventions internationales ratifiées par l'État de Guinée. Et vous verrez que dans le point 9 de la Charte de la Transition, ainsi que dans le corps de la Constitution, notamment l'article 74, ces conventions et accords internationaux, effectivement, ont été reprises et les juges devraient s'y conformer, d'où l'inconventionnalité des lois par rapport aux conventions internationales qui sont la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, le pacte international relatif aux droits civils et politiques, et fondamentalement, Monsieur le Président, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Ensuite, Monsieur le Président,
vous verrez que l'article 1, toujours de l'ordonnance, est contraire à l'article 150, cette fois-ci, de la Constitution, dont les dispositions ne sont pas contraires à la charte, ainsi qu'à son préambule au point 6, et n'est pas aussi conforme, cette fois-ci, au point 9 de la charte et à l'article 74 de la charte. Enfin, Monsieur le Président, vous avez la loi sur l'organisation, la poursuite et la répression des infractions, de la corruption et des infractions assimilées. Et en cela, Monsieur le Président, l'article 156, alinéa 3 de cette loi du 4 juillet 2017 n'est pas aussi conforme à l'article 150 de la Constitution et à l'article 74 de la Charte et au point 9 du préambule de cette dernière. Elle n'est pas non plus conforme à l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme de 1948, à l'article 14, alinéa 1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, à l'article 3, alinéa 2 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. C'est la raison pour laquelle, Monsieur le Président, nous vous demandons de bien vouloir, après avoir entendu soulever les exceptions d'inconstitutionnalité et avoir sur le plan technique, Monsieur le Président, vous avez la requête elle-même qui est très exhaustive, donc transmettre à la Cour suprême, conformément à l'article 79 de la Charte de la Transition, des articles 18.6 et 41.5 de la loi du 10 mars 2021. Ainsi que des dispositions pertinentes du code de procédure pénale. Je vous remercie. Également aux dispositions de l'article 733 du code de procédure pénale. Et selon ces dispositions, les conditions dans lesquelles le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevée dans une instance pénale, ainsi que les conditions dans lesquelles la Cour constitutionnelle peut être saisie de la question de constitutionnalité obéissent aux règles définies par les articles 40 à 80 de la loi organique L/2011/006/CNT du 10 mars 2011 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. C'est dire que le Conseil du prévenu a soulevé une exception d'inconstitutionnalité contre la charte de la transition en visant certaines dispositions selon eux qui trouvent inconstitutionnelles. Monsieur le Président, étant membre de cette Chambre, on n'a pas cette possibilité d'apprécier une question d'inconstitutionnalité soulevée à cette barre. Il ne nous revient en aucun cas d'apprécier cette exception d'inconstitutionnalité. Il revient à la Cour suprême de pouvoir se prononcer sur cette question déjà soulevée par le conseil de Dr Mohamed Diagne. Sur ce, Monsieur le Président, Monsieur le Président, sur ce, il vous reviendra donc de sursoir
jusqu'à ce que la Cour suprême statue sur cette question d'inconstitutionnalité soulevée par le conseil du prévenu Dr Mohamed Diallo. Sur ce, je vous remercie. Ils ont consigné leurs moyens dans les écritures que vous auriez la charge d'examiner en toute sérénité dans le secret de votre délibération. Nous voudrions aussi avoir les mêmes charges de consigner aussi nos répliques dans les écritures, même si cela n'exclut pas qu'on vienne ici, éventuellement, et prochainement d'ailleurs, à la barre de votre tribunal, faire un développement oral sur la position de l'agent judiciaire sur cette question. Nous sollicitons qu'il vous plaise renvoyer cette cause à huitaine pour que l'agent judiciaire puisse consigner ses moyens dans les écritures et à l'issue de cette contradiction ouverte, vous allez prendre la décision qui vous paraîtra conforme au droit. Je vous remercie. Monsieur le Président, je pense que la partie ne s'est pas imprégnée sur cette question prioritaire de constitutionnalité et d'inconventionnalité, parce que dans votre législation interne, la Cour constitutionnelle, avec ses attributions dévolues à la Cour suprême, connaît aussi bien de la constitutionnalité que de la conventionnalité, contrairement à notre système au Sénégal. Et les textes sont précis. Ils ne peuvent pas quereller devant vous des questions de constitutionnalité. C'est le parquet qui a dit le bon mot. Lorsque les questions sont soulevées, vous devez prendre acte de ces questions, de mon avis, et transmettre, comme le disent les textes, promptement à la Cour qui statue dans les 15 jours, et s'il y a des questions relevant donc des libertés fondamentales et des droits de l'homme, la Cour constitutionnelle a la faculté de réduire ce délai à 8 jours. Donc, le délai de 8 jours qu'il demande pour répliquer, Monsieur le Président, je pense que ce serait allonger inutilement les délais pour le jugement de mon client, mais les lois sont claires. Je vous remercie. Le début de ce procès, il faut bien qu'on soit clair, nous ne sommes pas pour l'heure devant la Cour suprême qui, de nos jours, exerce les attributions de la Cour constitutionnelle. Les délais de 15 jours auxquels fait allusion le confrère courent à compter de la réception du dossier à la Cour suprême. Que cela soit clair. Le tribunal aura son temps, la Cour aura son temps pour délibérer. On ne peut pas lui imposer un délai à cet effet. Nous allons apporter des réponses sur la recevabilité de ces moyens. Il ne faut pas qu'on pense que c'est déjà acquis et que, indubitablement, le dossier doit être transmis à la Cour suprême. Nous avons des réponses à apporter sur la recevabilité de ces moyens-là. Et, comme eux, nous choisissons également de consigner nos moyens dans les écritures. Mais on ne peut pas nous empêcher. Et ça ne peut pas affecter le délai qui sera imparti si la Cour le décide ainsi. À la Cour suprême de se prononcer sur cette question. Aussi simple que ça. On vous a donné le temps de d'écrire, vous avez écrit. Donc, la Cour va tout apprécier ici même, de manière transparente et équilibrée. Mais encore qu'il faille accorder à chacune des parties le droit de répliquer. Donc, la Cour va apprécier comment il va se passer. La Cour renvoie l'affaire au lundi 19 juin 2023 à 9h00 pour les répliques de l'agent judiciaire de l'État.
La défense de Dr Mohamed Gané, comme à son habitude, vient de jeter à la figure de la Cour de répression des infractions économiques et financières une exception dilatoire qu'elle a dénommée question prioritaire de constitutionnalité. Cette question, soumise à débat et à l'appréciation de la juridiction de ce siège, est tirée de l'inconstitutionnalité et de l'inconventionnalité de certaines dispositions des ordonnances portant création, organisation et fonctionnement de la Cour de répression des infractions économiques et financières. Nous avions écouté avec beaucoup d'attention le développement effectué par le camp d'en face, représenté à ce jour par le confrère Clédor du barreau du Sénégal. Nous avions donc proposé, comme il l'a fait, de consigner les répliques à ce moyen dans des écritures que nous allons déposer à l'audience du 19 juin 2023. Outre les développements oraux que nous aurons à faire tant sur la recevabilité que sur le bien fondé de cette requête soumise à l'appréciation de la Cour suprême par la défense de Dr Mohamed Gané. Mais je précise que l'agent judiciaire n'est pas dans la même dynamique que la défense de Dr Mohamed Gané, qui veut à tout prix empêcher l'ouverture de ce débat parce qu'elle est convaincue que les moyens de preuve qui sont dans le dossier sont bien soutenus et que ces moyens-là ne peuvent en aucune manière épargner Dr Mohamed Gané, dont les chefs de prévention lui collent à la peau. Nous gardons notre sérénité habituelle. Nous allons répondre à l'audience du 19 juin 2023. Nous viendrons faire connaître à la Cour notre position et nous respecterons la décision qui sera prise par la Chambre de jugement de la Cour de répression des infractions économiques et financières. Et nous ferons et nous continuerons, n'est-ce pas, à faire confiance en la justice guinéenne pour le dénouement judiciaire de cette affaire. L'exception d'inconstitutionnalité a été assise. Pourrait avoir des incidences sur ce qu'elle est en train de faire. Par voie de conséquence, c'est du bon droit. Nous avons soulevé des questions de violation par l'ordonnance aussi bien de la Constitution que de la Charte, parce que dans la Charte, qui a eu à donc permettre au Conseil national pour le rassemblement et le développement de prendre des ordonnances, il est bien précisé que toute disposition qui n'est pas expressément abrogée par la charte ou les lois qui allaient être prises et qui ne sont pas contraires à la charte restent en vigueur. Et les dispositions visées, n'est-ce pas, de la Constitution, sont donc en bon droit, en vigueur. Voilà pourquoi nous avons expliqué donc techniquement à la Cour pourquoi nous avons visé la non-conformité aussi bien aux dispositions de la Constitution qu'aux dispositions de la Charte. Moi, je suis entré dans ce dossier il y a seulement, si j'ai bonne mémoire, moins d'un mois. Et j'avais demandé le renvoi un mois pour avoir connaissance du dossier, d'abord l'ensemble donc des copies du dossier, préparer, n'est-ce pas, dans des délais raisonnables, la défense de mon client. Et j'avais constaté que c'est sur ma demande que la Cour a eu la bienveillance de me remettre l'intégralité du dossier, je l'ai dit, et c'est cette intégralité du dossier que j'ai eu donc à dupliquer pour les remettre aux autres avocats. Or, pour un procès équitable, les personnes, le défendeur, donc la personne qui est accusée,
doit être mis dans les moyens, dans les conditions de préparer sa défense et aussi de disposer de délais raisonnables. Maintenant, la Cour n'avait pas renvoyé malheureusement à un mois. La Cour, ce jour-là, avait renvoyé, je pense, le 8, parce que moi, je n'étais pas venu de Dakar. La lettre était envoyée de Dakar. Et c'est la veille que cela a été transmis à la Cour. Et les autres avocats, l'accusé n'avait pas, disons, le prévenu n'avait pas d'avocat. La Cour était dans l'obligation de renvoyer. Mais elle avait renvoyé à 8 jours. Malheureusement, les 8 jours, la Cour a renvoyé d'office encore à aujourd'hui. Et je me suis présenté. Donc vous ne pouvez pas dire, en fait, que c'est pour retarder le procès. Encore que je crois que s'il y a une personne qui devrait être pressée pour que ce procès, pour que cette affaire se termine, c'est la personne qui se trouve en prison. Donc, je pense que c'est une mauvaise querelle, n'est-ce pas, de dire que nous voulons retarder le procès, là où en fait il y a eu des violations extraordinaires de la loi, n'est-ce pas, et où il y a eu aussi, il y a des lois, n'est-ce pas, qui posent problème. La Cour ne peut pas ne pas accéder à notre demande. La loi est claire. La Cour n'a pas à apprécier de la recevabilité de ce recours. La Cour n'a pas à apprécier de la constitutionnalité ou de l'inconstitutionnalité ou de l'inconventionnalité des articles, n'est-ce pas, des ordonnances qui valent loi, qui ont été soulevées. Ce n'est pas de sa compétence. Et il est dit que la Cour, lorsque c'est soulevé, transmet promptement la procédure au Conseil constitutionnel dont les attributions aujourd'hui sont dévolues à la Cour suprême. Ça, on n'a pas besoin d'interpréter ou d'essayer de dire que la Cour peut rejeter ou ne pas rejeter. Non, non, non. Et la Cour a simplement dit, puisque cela a été soulevé et que sur le principe du contradictoire, vous avez déposé donc, la demande soulever ces exceptions devant la Cour et vous avez déposé aussi le développement de ces moyens devant la Cour, n'est-ce pas? La Cour constate qu'à ce stade, vous n'avez pas communiqué tout cela aux autres parties et je me suis expliqué pourquoi, en lui montrant qu'il fallait soulever et déposer, mais qu'en tout état de cause, je ne pouvais pas manquer de respect à la Cour en traversant la salle pour venir communiquer des pièces. Et par la suite, les communications ont été faites, le principe du contradictoire a été respecté et le ministère public, comprenant bien le sens et la portée des dispositions qui ont été légales, qui ont été soulevées, a demandé à ce que la Cour sursoive à statuer et transmette le dossier. Mais c'est l'agent judiciaire qui, curieusement, est venu dire non, renvoyez, je vais répondre pour en fait prouver que peut-être essayer de prouver que ce que vous avez déposé n'est pas irrecevable. Donc si aujourd'hui il y a un retard, c'est bien l'agent judiciaire, mais pas du fait du parquet, ni du fait de l'inculpé. Et nous avions attiré l'attention donc de cette partie civile qu'en tout état de cause, le Conseil constitutionnel statue dans les 15 jours et peut abréger ces délais à 8 jours. Donc les 8 jours demandés, en réalité, s'il y a un retard, c'est du fait de l'agent judiciaire de l'État.